Eh bien, nous applaudissons Saint-Esprit dans la vie serviteur avant de l'avancer à la gloire de Dieu. Dieu bénit nous. Bah, bon Dieu, gloire qui permet que nous la soyons. Pratiquement, c'est la dernière soirée. Mais pas pour autant, c'est la dernière parole. Amen. Dernière soirée, mais c'est pas dernière parole pour autant. Parce que quelqu'un qui l'a depuis dimanche soir et qui l'a encore à soya. Nous bénissons nos bon Dieu pour et peut-être même qui a à peine rejoint nous. Nous bénissons bon Dieu gloire pour qui rejoint nous à soya. Demain matin, après sixième parole. Dimanche matin après septième parole et dimanche soir, ap gen un bel débat, un grand débat sous toute parole yo. Nous espérons face à toute l'église d'Adnet à présent pour capable bon, moun ki pa la yo, pa konnen si ap ka participer. Et tout à l'heure après pasteur t'a chanté des musiques que nous t'ai montré dans l'apprentissage. Majorité mon tap fime, amen. Parce que l'église là va venir dans l'apprentissage. Si meneur yo t'es habitué chanter cantique comme ça pasteur, mon yo t'ap obligé venir dans l'apprentissage. Parce que là yo ouais chaque qui a chanté, yo pas ka chanter. Yo t'ap obligé venir dans l'apprentissage. Assoya c'est cinquième parole là. Jean chapitre 19, une fois encore. C'est là-dedans qu'on te joint une troisième parole là. Et c'est là-dedans encore qu'on a joint une cinquième parole là. Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Cinquième parole. Cinquième intervention. J'ai soif. Tout le monde qui l'a rend soif, pas vrai? Tout le monde qui l'a rend soif. Oui. Et me songe l'homme de l'école, qu'un professeur de biologie, qui te dit que un animal meurt beaucoup plus vite de soif que de faim. Un animal meurt beaucoup plus vite de soif que de faim. Ça veut dire soif qu'a tué ou plus vite que grand goût. On va te dire ça, non? On va te dire ça? Soif qu'a tué ou plus vite que grand goût. Et puis, j'ai eu d'abord une petite blague. Il y a un haïtien qui quitte Haïti, qui a vivre l'autre bord. Mais le monsieur qui a vivre Haïti, il n'y a pas trop bon pour lui. Et puis, monsieur a vivre aux États-Unis, il arrive aux États-Unis, il dit, je fais tout le temps en Haïti, je bois de l'eau. L'homme arrive à l'autre bord, je bois de l'eau même. C'est le jus, je bois. Et puis, monsieur arrive, monsieur fait quantité de temps. Monsieur, j'ai un jus facile pour le boire. Pas boire de l'eau. Monsieur, je mets du jus dans le col. Jus. Les monsieur, il faut pour moi, monsieur malade. Monsieur, il pas bien. Il par contre, ça va passer. Et puis, monsieur, il y a un médecin. Tout ça, médecin fait pour lui. Il n'y a pas rien. Et puis, il commence à poser monsieur question. Non, pose des questions. Monsieur, il fait du médecin. Hein? Depuis le vin, il va jamais boire de l'eau. Médecin mette deux mains dans la tête. Médecin obligé de voir monsieur Albert en quantité de l'eau chaque jour. Et mes guérisons, monsieur. Parce que rien, absolument rien, pas capable de remplacer de l'eau. J'ai soif. Cinquième parole de Jésus. D'abord, qui sa soif là? Nous allons laisser qui sa soif.
Et nous allons essayer deux dimensions dans la soif de Jésus. Et nous allons essayer de poser tête quelques questions. Première question, nous allons poser tête non. Qui ça n'a baillé avec Jésus pour abreuver cette soif? Deuxième question que nous allons laisser pour cette tête, non? Nous allons dire, avons-nous soif? Est-ce que nous-mêmes nous soif tout? Et si nous soif, quelle soif? Et dernier bagage, comment nous allons définir cette soif de Jésus? C'est ça que nous allons laisser faire à soi. Nous allons essayer de définir soif pour tout le monde qui est capable d'essayer pour ton définition avec soif. Et nous allons avoir deux dimensions dans soif Jésus. Et nous allons poser nos questions. Que pouvons-nous donner à Jésus pour abreuver sa soif? Et nous allons poser nos questions autour pour nous dire, est-ce que nous-mêmes tous nous soif? Et c'est nos soif qui soif. Et nous allons voir comment nous avons défini cette soif de Jésus. Soif, il sorti dans un mot latin qui c'est sitis. Sitis, S-I-T-I-S. Sitis. Soif, c'est besoin de boire et sensation que produit ce besoin. Soif, c'est besoin de boire. C'est sensation que produit ce besoin. Peut-être, leur soif, premier bagage, vous avez senti gorge sèche. Vous avez senti gorge sèche et puis, on sent tout en vie boire. Et qui ça produit soif là? Soif là produit parce que vous perdez de l'eau. Bon, il y a une mission dans la salle là, c'est une mission. Vous êtes capable de plus de détails sur soif. Soif là, il est capable de gagner un autre sens. Soif là, tout le cas, exprimer un désir ardent. Il a exprimé un désir ardent. Soif là, tout ça veut dire passionné de quelque chose. Soif là, ça a gagné tout sens, ça y est. Non seulement, dans un premier sens, c'est besoin que vous sentiez pour capable boire. Et il est capable de tout exprimer un désir. Il a exprimé une sorte de passion que vous gagnez pour quelque chose aussi. Jésus-Christ, c'est ça le fait déclaration pour le dire, les soif. Et là, nous regardons soif Jésus, tout le monde a imaginé que soif Jésus, il y a deux dimensions. Et première dimension, il est visible. Première dimension, soif Jésus, c'est une dimension naturelle. Ça veut dire physiquement, Jésus soif. Parce que, rappelez-nous depuis l'été à Gethsemane, comment il t'a souhait. Et on dit, nous, il était tellement absouait, c'est comme des grumeaux de sang. Ça veut dire, depuis à Gethsemane, Jésus-Christ l'a souhait, l'a perdu de l'eau. Et leur fin arrêté. Yo fait le passer toute route que yo te fait le passer yo. Là encore, l'étape continue perdu de l'eau. Mais sauf que nous n'a dit que Jésus pas déshydraté. Parce que le te vin percer côte li, nous songe de l'eau avec sang t'es sorti. Ça veut dire il pas perdu toute l'eau, il pas déshydraté. Mais naturellement, li soif. Parce que non seulement il passait toute route ça, il a marché et puis il a porté un fardeau
qui très lourd sous doli. Si par exemple ou dans la rue à la ou pour ton charge sous tête ou à marcher dans soleil là, c'est sûr et certain leur arrive la caillou ou à courir à boire de l'eau quand même. Est-ce que me fait m'en dire? Ou à courir à boire de l'eau quand même, parce que pour qui ça va boire de l'eau? Parce qu'on soif. Ou saute pour ton charge, saute marcher dans soleil, naturellement ou à boire de l'eau leur arrive la caillou. Et c'était normal pour que Jésus lui-même lui était soif, humainement parlant, lui était soif. Mais deuxième niveau, deuxième dimension, soif Jésus a, c'est une dimension surnaturelle, une dimension spirituelle, une dimension divine. Première dimension, c'est une dimension purement humaine. Deuxième dimension, soif Jésus a, c'est une dimension divine. Ça veut dire, soif Jésus a, lui aller au-delà de besoin corps. Li aller au-delà de juste yon besoin pour le boire, soit de l'eau quelconque, li aller au-delà de yon simple besoin pour le capable boire. Et puis devant, nous pas loué dimension surnaturelle ça qui sorti en dans soif Jésus a, qui dimension surnaturelle que lié. Et dans le verset 29, si nous lit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Puisque Jésus criait, j'ai soif, qui ça a fait? Il prend vinaigre, il balboué. Et c'est ça que fait nous arriver à poser cette question à soi, pour nous dire, qui ça, nous-mêmes, nous capables de bailler à Jésus pour nous abreuver soif que Jésus gagne. Soldats, ont été par Jésus qui ça? Ils ont été par Jésus vinaigre. Maintenant, et moi-même à soya, qui ça m'a baillé Jésus? Pour me satisfaire soif Jésus. Soldats, ont été vinaigre. Et moi-même, qui ça m'a baillé? Est-ce que m'a baillé un asso aussi? Qui ça m'a bali même à soya pour m'abreuver soif li? Est-ce que m'a acheté un grand manger bali? Est-ce que m'a bali en bière? Qui ça m'a bali? Est-ce que m'a acheté une bouteille de l'eau bali pour me satisfaire soif li? Qui sort à envie bay Jésus à soya pour satisfaire soif li? Pour passer soif Jésus ça ou ta vle bali a soi. Et si ou pas décider bal rien, la continue crier même bagay la. Si ou pas décider bal rien a soi, la continue di j'ai soif. Si ou pas décider prendre position pour offrir yon bagay pour abreuver soif li, la continue pour ces même cria. La continue à dire j'ai soif. Peut-être par contre si c'est vie ou qu'on t'a voulu offrir à lui comme un parfum pour satisfaire soif lui. Par contre si son vie d'adoration que on t'a voulu mener pour satisfaire soif lui. Par contre qui ça a soya ou a décidé pour offrir à Jésus pour passer soif lui. Mais m'a dit que soldat ont offert le vinaigre. Et vinaigre là on connaît que c'est pas une boisson qui est agréable. Yo t'ai offert le vinaigre. Qu'on a assoya ou même moi poser tête aux questions, même j'en moi-même m'a posé tête moins question, qui ça m'a bail, qui ça m'a offert à Jésus pour me satisfaire soif li. Question était pour question était pour connaître qui ça ou t'a voulu offrir à Jésus. Quand tu as dit Seigneur en yen bakabaou, c'est lion cœur qui bouquet souffrir. Et sans au moins pas ka guéri. Prends-moi Jean ou aime là, sans force et sans soutien.
Gon auteur qui dit entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tout ça crée pam, moi offri yo à ou même. Gon auteur qui dit prends la vie Seigneur Jésus. Moi vle consacrer le baou. Prends chaque heure. Prends chaque jour. Tout temps vle louer. Auteur sali même le télès de offri à Jésus. Pour essayer d'abreuver soif. Et moi-même, à Soya, qui ça m'a offri à Jésus? Qui ça m'a offri à Jésus? Est-ce que je voulais offrir vim? Est-ce que je voulais offrir connaissance moi? Est-ce que je voulais offrir ça que je possède? Mais que c'est de lit encore que je suis sorti? Est-ce que je voulais offrir famille? Est-ce que je voulais offrir caille moi? Est-ce que je voulais offrir ça là qu'a gagné comme l'argent? Et que c'est lik ban moyen encore, est-ce que me t'avle offrir yo à lui même à soya? Et deuxième question que t'a pose d'être nous. Est-ce que nous même tout nous soif? Et si nous soif qui soif que nous gagnons à soya? Tout le monde qui la connait soif. Ça n'a pas qu'à ignorer ça tout le monde qui la connait soif. Mbakmando, est-ce qu'on soif parce que est-ce qu'on envie à le boire de l'eau? Mais au point de vue spirituel, est-ce qu'on sent sous soif? Peut-être qu'il y a un monde qui l'a cap dit, oui, m'a soif. Mais le monde a demandé qui ça a soif? On dit, bon, m'a soif, on m'a un visa. Parce que le pays n'a pas offri rien là. M'a soif pour m'a quitter le pays ça. Mais que on dit majorité haïtien qui vivent dans pays là, yo tout net c'est passager oui. C'est veille à veille en bout de visa et puis pour yo laguer quitter ça. Si nous demandons qui ça soif, ben on dit mon soif pour ta gon visa. Si nous demandons qui ça soif à soya, on dit on soif en mariage. Parce qu'on gagne 30 ans, on gagne l'âge du Christ. Ou dépasser almanac. Nous soif femme gon mari femme gon madame soif ça si nous d'ado qui ça soif on dit nous soif femme gon petite parce que on pas travailler pour les ingrats nous soif femme gon petite si nous d'ado qui ça soif peut-être ou t'a dit que nous soif femme construire des chambres caille est-ce que tout ça me dit pas bon oui yo bon. Oui, tout samedi là, tout net, yo utile. Yo bon pour gagner yo. Mais si c'est uniquement soif ça ou gagner, ou qu'on est malheureux. Qui soif ou gagner? Est-ce qu'on soif Jésus? Est-ce qu'on soif présence bon Dieu? Et après, Jésus fin prononcer parole ça, c'est tout de suite après il fin dit Eli Eli. Ça veut dire, après papa a fini abandonné, il a une soif. Je ne sais pas ça. Après papa a fini abandonné, et puis tout de suite, il a soif. Il a soif. Parce que papa a fini de bali, tout de suite, il a soif. Est-ce qu'on sent tout soif, bon Dieu? C'est plus gros soif ou qu'a gagné. Et m'a dit assoya leur soif bon Dieu plus ou bois c'est plus ou envie bois. Mais on se comprend. Ou leur soif bon Dieu tout en bois c'est tout plus ou envie bois. Et c'est là qu'on j'aime assez de chanter dans musique qui dit chaque fois mais entrer puis fond en dedans moi réaliser m'pas jamais connait assez. Son parole qui fort. Chaque fois que j'entre et puis fond en dedans, je me réalise que je ne connais pas assez. Il y a un monde qui pense qu'il connaît bon Dieu parce qu'il peut pas connaître bon Dieu. Il y a un monde qui sent satisfait de bon Dieu, c'est parce qu'il peut pas goûter bon Dieu. Parce que autant de fois que goûter bon Dieu, la vie n'est pas dans la bouche ou envie ou plus.
ou ap anvi viv plus. Ça fait longtemps qu'il dit gagne en pile grâce nan ou. Puis grand passé prêché nous. Grâce ou c'est un bagaille douce. Qui te li travail nan moi. Gade, l'on goûte bon Dieu, franchement. Gonte qui dit, parce que c'est Pierre ou Jean qui dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous. Pierre. Ou de vous fin goûte bon Dieu, ou pas mande aller. De vous fin goûte bon Dieu, ou pas envie manger bon Dieu. Ou pas envie entrer en dans bon Dieu. Pas grand qu'à faire envie garder derrière. An goûte bon Dieu. An goûte bon Dieu, bien-aimé. Qui soif moi gagne à soya? Qui soif moi? Regardez, où est-ce que soif bon Dieu? Ou toujours envie? Ou toujours envie tant de paroles qui sont dans la bouche bon Dieu? Leur soif, bon Dieu, ou toujours ont envie pour coller par contre, bon Dieu. Parce que vous avez soif là qui s'allie, son désir ardent. Leur soif, bon Dieu, ou passionné de bon Dieu. Et on connaît leur passionné de bagaille, qui comportement que vous gagnez. Quand l'église, on nous cherche une soif, bon Dieu. On ne dit pas qu'on a soif pour qu'on caille. On ne dit pas soif pour voyager. Madou pas soif pour pas marier. Mais on cherche d'abord une soif de Dieu. On cherche une soif de Dieu. Parce que tout l'autre bagaille, c'est des bagailles passagers que vous avez. Bagaille éphémère. Bagaille qui a appelé la Jodiac, pas là encore. Bon, 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 si m'gen soif pou m'gon kay, te a passé le tremble kout kay la. Kala ale. Bon m'di m'soif pou m'gon machine, c'est bien. Mais si m'fou accident, kout machine. Bon m'soif pou mariage, c'est bien. Mais on maladie passe la. Madame tombe, soit mari tombe, kote li. Li disparaît. Mais leur soif, bon Dieu, pareil, ça qui passe. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. C'est soif ça pour nous gagner. C'est soif, bon Dieu, pour nous gagner d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est soif, bon Dieu, pour nous chercher à gagner. Et leur gain soit bon Dieu, ou montrer que c'est monde qui est intelligent. Et on sait monde qui est intelligent. C'est pas monde qui a cherché pain. Mais c'est monde qui a cherché qu'on fait pain. Et leur gain soit bon Dieu. Ou pas chercher pain, mais on cherche qu'on fait pain en même. Comment peut-on définir cette soif de Jésus? C'est là nous aller. Comment peut-on définir cette soif de Jésus? Je m'a réfléchi sur cette soif de Jésus. Moi finis par conclure ça comme ça. Moi dis cette soif de Jésus est une soif de sincérité. C'est une soif d'obéissance. C'est une soif d'intégrité. Et c'est une soif de fidélité. Cette soif de Jésus, c'est une soif de sincérité, une soif d'obéissance, une soif d'intégrité et une soif de fidélité. S pour la sincérité, O pour l'obéissance, I pour l'intégrité et F pour la fidélité. Ça résume la soif de Jésus. La sincérité, l'obéissance, l'intégrité et la fidélité.
Et sincérité, comment nous capable de définir sincérité? Sincérité gagne rapport avec ça les franchises. Sincérité gagne rapport avec quelque chose qui est authentique. Yon bagay qui est vrai. Somme 5 verset 9, Somme 145 verset 8. 2 Corinthiens 8 verset 8. Anon li 2 Corinthiens 8 verset 8 là. Somme 5 verset 9, Somme 145 verset 8. 2 Corinthiens 8 verset 8. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Sincérité de votre charité. Ça veut dire, bon Dieu, a cherché la carrière de sincérité. Même dans la charité, nous. Dieu cherche la sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Sincérité dans la charité. Peut-être l'homme offrit un union bagaille. Est-ce que je suis sincère? Je peux juste offrir un union bagaille. Mais peut-être c'est parce que moun sa c'est lui-même qui est habitué ben moi. Ou bien moun sa c'est avec lui plus à l'aise. C'est avec sans marcher. Moun dan de moun yo di ça. Sans à la velle, moi offrir lui. Mais ça pas une crasse sincérité là-dedans. Pas une crasse sincérité non, non ça. Ça on fait assez juste un bagaille sous la forme. Ça c'est le formalisme. Mais ça pas rien authentique là-dedans. Ça pas rien de vrai. Jésus soif des hommes, des femmes sincères. Est-ce que moi-même moi sincère? Non, ça m'a fait pour bon Dieu, yo. Est-ce que c'est pas juste en forme? Est-ce que c'est pas juste parce que m'a fait plaisir? Est-ce que c'est pas juste m'a juste fait parler de moi? Est-ce que je suis sincère dans ça m'a fait? Ça veut dire, sincérité, ça, est-ce que c'est comme qui fait ma fête? Est-ce que c'est amour que je gagne pour Dieu qui fait ma fête? Ou du moins, son place pour chercher l'église là. C'est gratte pour ma batte pour yon monter. Est-ce que c'est pour yon kawem? Est-ce que c'est pour juste by paillette? Est-ce que je suis sincère? Qui ça vrai dans ça m'a fait? Leur adoration moi pousser un cri, est-ce que cri à sincère? Est-ce que c'est pas juste pour dire bon j'ai service là chaud là, frère tel pas fait rien même, les parents prennent bonjour dans la ville? Et puis me pousse un cri. Tout le monde rempli, il pas rester seul moi pas rempli. Mais pas gain crasse sincérité dans ça. Pas de crasse authenticité dans ça. Bon Dieu, besoin pour nous sincères. J'ai soif. Christ a soif de la sincérité. Christ a soif de la sincérité. Et quand il y a sincérité, pas de hypocrisie. Et hypocrisie, il y a un de mon gars qui c'est hypocritos. Hypocritos, ça qui fait penser à un acteur. Ou qu'on est là, yon acteur a joué, qui ça le fait? Li met place dans bon personnage là. Ça veut dire, si yon ba joué un personnage qui est triste, même si li même li pas triste, li oblige mette dans bon personnage là pour que li fait paraître tristesse là. Là, pa yon crasse sincérité dans ça. Bon Dieu besoin pour nous sincères à soi. Christ a soif de la sincérité. Christ veut que nous soyons des serviteurs authentiques. Pas des serviteurs sous peau. Pas des serviteurs sous zèle.
des servantes, les pasteurs là. Mais partout, je suis serviteur de Dieu. Et me sincère, authentique. Non, ça, c'est pas bouche moi qui dit. Mais comportement témoigne. J'ai soif. Nous soif sincérité. Nous soif frère jeune fille qui sincère. Jeune garçon qui sincère. Christ soif yon l'église qui sincère. Ça lié à c'est libre pour faire paraître. Pas comporter comme des acteurs qui juste a joué un rôle de personnage. Ou connaît ou pas ça? Ou te montrer ou c'est ça? Ou connaît ou pas ça? Ou te tromper pasteur? Mais on pas qu'à tromper bon Dieu. Amen. Dieu cherche la sincérité. Et que deux mariages qui crasent, et parce que mon n'y a pas de sincère. Soit jeune fille à douli vierge. Et puis, il y a un mari qui est en trois devant. Et puis, le mari qui est en caille, il n'y a pas de sincérité. On peut le foyer écrasé, on peut le mariage écrasé comme ça. Parce que pas de sincérité. On nous sincère. On nous sincère dans son affaire, mon Dieu. Nous ne pouvons pas comporter comme des acteurs en présence, mon Dieu. Parce que bon Dieu compte comme. Je ne peux pas comporter comme acteur. Deuxième bagaille, Christ soif obéissance. Il a soif d'obéissance. Obéissance fait penser à la soumission. Et Jésus-Christ, c'est exemple authentique de l'obéissance. Exemple authentique de l'obéissance. Parce que si nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 8, on nous regarde lui. Éphésiens chapitre 2. Non, Philippiens, je dirais. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il dit, il s'est humilié lui-même. Et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire, Jésus-Christ, c'est exemple en même de obéissance. Lui obéit avec Dieu, lui soumet lui jusqu'à ce qu'elle arrive à la croix. 1 Pierre 1er verset 22. Vous pouvez noter verset ça tout. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. N'a plus 1 Samuel là. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Il dit l'Éternel, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Est-ce qu'on comprend verset A? Mon qui gagne Bible, lis verset A ensemble pour me donner. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. On a l'ensemble mon qui gagne Bible 4. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Christ a soif de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux
que sacrifice. Regardez, on mette fait sortir vle. Dès ou pas vivre en vie d'obéissance à la parole de Dieu, ça c'est affaire ou fait. Christ soit vivant vie d'obéissance. Bon, quel monde qui pas même obéissant à leader que bon Dieu placé cap conduire. Bon, allez voir pour ta obéissance à Dieu. Bon, on y a pas dit comment faire qu'on est on pas ouais. Obéissant à Dieu ça pour Dieu. Et ça pas dit. Ah, bon Dieu placé leader ou pas obéissant à veille, ou qu'on a dit obéissant à Dieu. Eh bien, qu'on a un leader qui travaille à faire là même. Travaille pas, yo? C'est pas travail bon Dieu a fait? Bon, si c'est travail bon Dieu a fait, bon, on dit obéissant avec Dieu, pas obéissant à veille. Obéissance. Des fois, nous faisons chrétiens tête raide trop. Faut que nous apprenons à obéir, apprendre à soumettre. Parce que Jésus-Christ lui-même il était soumettre. Ou même Jodia, faut que nous apprenons moi-même avec vous, faut que nous apprenons à mener une vie d'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. N'attend des paroles bon Dieu longtemps, hein, pas vrai? Mais est-ce que nous rendons compte que nous obéissons avec elle? M'attends des paroles, bon Dieu, longtemps, je ne bats la tête moi. Est-ce que m'obéis? Ben moi. Depuis qui a même encore m'attends des paroles, bon Dieu? Oh, ça fait longtemps. Prédicateur, prêché, croisade prêché, réveil prêché, veille de nuit faite. Jeune fête. Bon Dieu parle avec des serviteurs, viens parler nous. Mais est-ce que nous jamais obéi? Est-ce que nous jamais obéi? Est-ce que moi m'obéis? Pour faire le bagage, parole bon Dieu dit m'pas fait. Est-ce que m'obéis? Est-ce que m'pas juste considérer ça ou dit m'nantakou fable? C'est histoire. Des fois, même oser penser que le prédicateur a qu'on a fait. Ou même oser penser son coup de doigt. Yo fait sou. Juste pour ne pas obéir, oui. Ou chasser mille excuses. Juste pour ne pas obéir. Son coup de doigt. L'église, ça a parlé cause de moun. Mabdou, ou konnen yon nan moun ki pale koze moun an pil? Saint Esprit. Oui. Saint Esprit pale koze moun an pil. Saint Esprit pale koze moun an pil. Gon servante kap di li nan l'église. Li di moun sa depi l fon bagay, li pè a l'église la. Parce que depi l pa mande bon Dieu pardon à l'église la, pasteur a dit ça. Passer à détecter. C'est obéissance la chercher dans mon. Obéissance. C'est pas cause au pasteur à parler, mais bon Dieu a cherché obéissance. Obéissance. Quand on dit obéir croire, c'est tout ça pour nous faire. Pour nous content dans Jésus. C'est pour nous obéir croire. Obéissance vaut mieux que sacrifice. Obéissance vaut mieux que graisse taureau, que graisse bélier. Si pas gain obéissance, tout ça yo, c'est laver mes, suyer à terre. Troisième bagaille que Jésus soif, lui soif intégrité. Intégrité, ça fait penser à l'incorruptibilité.
Ça fait penser à la probité. L'opprobre ou intègre, incorruptible. Ça veut dire, yo moun yo pa foure nan bagay ki louche, ki va entrer nan bagay ki louche. Ki pa foure men kote l pa de foure l. Ki pa veye moun ki fin fèl, et puis ki mette l bien serré, ki fè de roule pat nan anye. Intègre. Et nous regardons quelques noms dans la Bible qui étaient intègres. Nous avons pris exemple Noé. Genèse chapitre 6, verset 9, a parlé de l'intégrité de Noé. Et on songe comment Noé a trouvé grâce dans ce bon Dieu. Parce que c'était un homme qui était intègre. Et là, bon Dieu va le détruire la terre. À qui est-ce qu'il a parlé? À Noé. À Noé le parler. Noé le confier message là. Gen moun yo besoin bon Dieu servir avec yo. Yo besoin pour t'apposer mais sous malade guéri. Yo besoin pour chasser démons. Yo besoin les réunir là pour adorer, c'est pour temple trembler. Mais est-ce que m'intègre? Est-ce que va vivre dans l'intégrité? Christ crie soif. Les soif pour lui-même intègre. Noé était intègre devant Dieu. Et là, vivre dans l'intégrité, on a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Christ soif dans l'église qui intègre. Trop leader pas intègre. Trop d'un missionnaire pas intègre. Trop choris pas intègre dans le choralio. Et je t'avais raconté mon histoire à un pasteur. Et puis pasteur a prêché, à long jeune, l'a prêché délivrance, l'a prêché au monde pour te cop vini. Et puis, comme malheureuse pour Dieu, parce que je m'en dis pour diable, comme malheureuse pour Dieu, qui a son petit cop caille. L'homme amaril, il a prédit pour son petit cop caille là. Pasteur a dit, pour te sauver, vini, pour te vini, bon Dieu a ceci, bon Dieu a cela. Et, moun sa yo pas simple tout. Le abdou pote fini pote fini. Et pas aussi simple qu'on sa abdou pote fini. Malheureuse la kouri la kaili mari le bat même la même. Li dege $3,000. Li prend $3,000 le pote yale. Li pote le bay pasteur. Et puis les jeunes fini. Pasteur a dit comme ça. Ou met allé, bon Dieu fait tout bagay. Malheureusement, dans la cali, bon diable, bon Dieu. Amen, dans ce monde, bon diable, bon Dieu. Et puis, le mari a vini, il a arrêté $2,000 pour finir ensemble le reste comme là. Mari a dans la rue, a battu la rue, elle vient à $2,000. Quel content! Là, elle finit, elle dit, chérie, vini. Il a pas ressemblé comme là, pour y'a le payer, Kaila. Le mari a dit, madame, elle prend Kobla. Madame a dit, non, Kobla pas là. Marie a dit, comment Kobla fait pas là? Non, dans l'engène, etc. Parce qu'il a prêché, mais ça l'a dit. Et puis, je sais si je t'ai touché, je peux Kobla m'bote aller. Marie a dit, ça y est. Marie a tourné, Marie a pris manchette. Elle dit, madame, non, devant. Et puis, rive dans la cour l'église là, parce que tu as à peine pour la machine pour le sortir. Je ne sais pas si tu es dans le pasteur, parce que si tu es là, je ne sais pas si tu es là. Parce que tu as à peine quitté la cour l'église là, pour prendre la machine pour l'aller. Là, le pasteur a fini, et puis il campé. Quand il y a madame qui parle avec Maria, tout a tremblé devant le pasteur. Pour pasteur bay kobla. Quand on connaît pasteur pour kobla. Hein? Non poche dit oui. Non poche dit pour kobla.
L'église pas qu'on a rien de comme ça. Christ soif. L'histoire des leaders intègres. C'est manque d'intégrité ça fait on parler l'église mal comme ça. Oui. Yo parle nous mal. Yo même osé dit bon Dieu pas existé. Yo même dit je moi pasteur un tel. Ça me perdit l'église. Mais il y a les pasteurs vocationnels. Il y a les pasteurs professionnels. J'ai soif. J'ai soif d'intégrité. Alors là, qu'on y a là, Marie, ça qu'on y a, parce qu'il y a pas le divin de Jésus. Pas qui ou pas qui fait, parce que ça a passé. Bon, comme c'est passé, on peut être dans le monde, j'ai dit le tout. Quand elle pas qui fait, elle a passé pour la dire, monsieur, ça pas même quand Jésus a pour le dire, Jésus remet. Bon, imagine, ou n'a marché, ou pas mené en vie d'intégrité, moun qui pas connaît pas en fait, comment faire prêcher? Comment faire dire Jésus bon? Comment faire parler de la mort Jésus? Comment faire parler de ses mains percées, de ses pieds percés? Ou pas capable? Il y a une façon de vivre dans le quartier. Ou pas prêcher dans le quartier, non? Regardez si l'idée est à Fontes, il va faire une émission en évangélisation pour la caillou. Il va mettre devant. Est-ce qu'on va camper devant? Ou pas capoter devant? Bon, on a un bas sous quartier avec eux. Ou non jouer domino sous quartier avec yo. Comment faire camper devant? Alors pour service dans la caillou pour ta mettre au prêcher? J'ai soif. J'ai soif intégrité. Job. C'est un homme encore qui est intègre. Et tout le monde qui l'a connu l'histoire Job. Souligne dans Job chapitre 1, verset 8, verset 1er. Dans Job chapitre 2, verset 3. Bible a parlé de l'intégrité de Job. Job 8, verset 20. Et dans Job 8, verset 20, Job a dit, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Job 8, verset 20. Dieu ne rejette point l'homme intègre. Regardez, ou même qui voulait mener une vie d'intégrité de faire bon Dieu, pas qui t'es un, il faut perdre l'intégrité. Regardez, quand il y a une fille qui a fait une sorte, il faut perdre l'intégrité. En pile offre, quand il y a une neuf, il faut perdre l'intégrité. Regardez, Gédébara ou pas jeune deux fois, attendez. Gédébara est son seul fois. Sous qui t'es allé, l'aller. C'est que ça va comprendre. Gédébara est son seul fois, je ne ou pas jeune ni deux fois. Sous rangé, ou qui t'es allé, ou perdu. Somme 101, verset 6. Il dit, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Somme 101, verset 6. Dans la dernière partie verset, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur.
Si je me demande qui est soldat, je dis serviteur, bon Dieu. C'est pas vrai. Mais elle dit ça, oui, là. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Nous fiers pour dire nous sommes servantes, serviteurs de Dieu. Mais est-ce que nous marchons dans une voie qui intègre? Est-ce que nous vivons dans l'intégrité? Nous avons un texte qui est en lien Josué 24, verset 14. De Chronique 19, verset 9. Somme 17, verset 2. On lit Proverbe 19, verset 1er. Proverbe 19, verset 1er. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité. Plutôt m'a gagné l'argent, même intègre. Plutôt société à pas ouem, même intègre. Regardez, en plus, le monde a parlé de la société. Vous avez dit où vous passez pour y arriver. Vous avez dit où vous passez pour y arriver. Puis vous avez dit que vous avez vivre dans l'intégrité. Puis vous n'avez pas jamais parlé de moi. Même vivre dans l'intégrité. Puis vous avez un grand nom. Même vivre dans l'intégrité. Ce n'est pas tout le monde qui a fait choix ça, non? Parce que Jean Sabel, là, tout le monde passé à parler de où? De pour y vont, tout le monde est en ouest, c'est où? Toute porte l'ouvre pour entrer. Sabel? Mais comment passez vous gagner non ça? Comment passez vous faire succès ça? Qui compte au passé pour atteindre sommet ça va atteindre non. Et là m'a dit ça me songer, m'a rappelé de histoire l'homme et le serpent. Il y a une fable qui est écrite par Jules Solim 1100. Serpent, il rivait loger sur un roc. Bien haut. Et puis l'homme nan même, juste le ministre dit, l'homme nan qui gagne deux pieds, il a marché, il a trouvé là un entre, dans un petit trou, dans un petit caille, dans un petit taudis, que l'homme nan trouvé. Et puis serpent même qui en l'air comme ça, serpent a passé l'homme nan risible. L'a guillonné l'homme nan dans bon langage haïtien. Et puis l'homme non même qui gâte serpent qui a passé dans le risible, serpent, l'homme non répond serpent avec une voix douce et fière. Je serai parvenu sur ce mont escarpé si comme toi j'avais rampé. Je tape même côté avant. Si je déconne rampé, si je tape rampé, je tape même côté avant. Gardez pas rampé, attendez, gardez intégrité ou pas rampé. Ou quand une jeune fille, qui a même l'âge avec vous. Mais là, regardez là pour une belle machine. Ou quand il a été rampé pour le gagner. Quand on a dit, bon, il a même l'âge avec moi, il a conduit moi, quand il a regardé côté lié, et puis moi-même, moi pas là. Ou quand route est passé. Gardez conserver l'intégrité, attendez. Gardez les gens qui vivent dans l'intégrité. Tôt ou tard, bon Dieu, appelez-les. Même si y a 1 million aujourd'hui, conservez l'intégrité. Conservez la dignité.
Pas vendre Jésus là. Pas déposer l'évangile là. Conservez-le. Parce que tôt ou tard, bon Dieu, intervenir en faveur. C'est vrai, mais quand on a dit, en son temps, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Dans le temps, il a accompli. Parce que même quand on joue dans le calendrier, bon Dieu, ou même où on joue, même si on raconte nous un homme qui était condamné pour ça un jour de prison. L'arrivée sous centième jour, ils ne sont pas capables encore. Et puis ils décident pour le tuer tête lui. Alors que les condamnés pour 101 jours. Sous centième jour, elle finit à tête lui. Bat pour même situation pas arrivé. Ou a conservé l'intégrité longtemps. Pas quitter sa prison de sous tout la fort la gueule. Parce qu'on va prendre qui joue fixé pour vous. Jésus soif. Les soif, la fidélité. La fidélité fait penser à la constance. Ça veut dire qu'on va être constant. Qui ne peut pas varier, qui ne peut pas vaciller. Il fait penser à l'exactitude, à la sûreté. Il fait penser aussi à l'attachement. Et la fidélité, paquet fruit de l'esprit, il est en dedans paquet fruit de l'esprit. Et nous croyons, frère Lemoine, prend temps assez pour parler sous fruit de l'esprit. Et on joue une fidélité en dedans paquet. Galates chapitre 5, verset 22. Psaume 37, verset 3. Psaume 40, verset 11. Galates 5, verset 22. Psaume 37, verset 3. Psaume 40, verset 11. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10, la même chose. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dans Apocalypse 2, 10 là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et dans Colossiens 1er verset 2, il y a parlé de ça tout. Philippe, Éphésiens 1er verset 1er. Dans deux textes, après Paul, elle a adressé avec chrétien. Il dit yo, c'est fidèle. Léa, allez, non, maintenant. On va le finir. Tout le monde qui l'a, c'est fidèle à l'église évangélique sous de la grâce, pas vrai? Hein? Tout le monde qui l'a, c'est fidèle à l'église évangélique sous de la grâce, de Boucher. Mais pendant que c'est fidèle évangélique sous de la grâce de Bogia, est-ce que je suis fidèle vrai? Est-ce que ce n'est pas non, juste ben moi? Est-ce que ce n'est pas non, juste ben moi? Égal, la soif de Jésus fait penser, un, mon qui était là avec moi, la sincérité, deux, obéissance, trois, quatre, fidélité. Jésus soif, lui soif sincérité, lui soif obéissance, lui soif intégrité, lui soif fidélité. Est-ce que vous voulez balayer ou assoir? Vous voulez sincère? Vous voulez obéissant? Vous voulez intègre? Vous voulez fidèle? Bon, si l'Église a décidé tout pareil, ça va passer. L'Église a transformé dans mes noms. Si l'Église a décidé de vivre dans la sincérité, il y a vivre dans l'obéissance, il y a vivre dans l'intégrité, il y a vivre dans la fidélité, mais l'Église a transformé. Amen. Et si chaque monde qui dit, oh, c'est chrétien vrai, tu as vivé une vie comme ça, Jésus finit déjà.
Christ dit soif. Est-ce que m'a quitté le mourir avec soif? Est-ce que m'a quitté le mourir avec soif? Tout n'ont pas décidé de satisfaire soif li, l'a continué à crier dans les oreilles. Jeune fille, tout n'ont pas décidé de satisfaire soif Christ là, l'a continué à crier dans les oreilles, l'a douleur soif. Est-ce que Seigneur aime venir l'église chaque dimanche, m'a satisfait soif Jésus? Est-ce que c'est parce que j'ai une Bible, j'ai une espérance? Est-ce que c'est parce que je prends la scène? Mais je prends la scène, est-ce que j'ai une sincérité là-dedans? Est-ce que c'est vrai par parler dans le comité, m'a fait? Si je ne prends pas pasteur, après, je ne parle pas dans le comité, je vais poser une question. Et je ne vais pas le dire. Quand il n'y a pas de m'oblige à prendre. Et maintenant, les oreilles, Christ a dit, regardez, je prends, j'ai soif. Pour donner une ligne avant de venir payer, Christ a dit, j'ai soif. Il a dit, soif. Madame, par contre, tu sens voir Christ dans les oreilles, qui a dit, soif à soi. Et par contre, qui position à prendre face à cette soif de Jésus? Christ soif dans l'église qui transforme. Christ soif dans l'église qui régénère. Christ soif dans l'église qui restaure. Christ soif dans l'église dans l'adoration. Christ soif dans l'église dans la consécration. Christ soif dans l'église qui va morder la guerre. Il y a l'église qui va vendre des Nestlé. Christ soif dans l'église qui va représenter sous la terre. Christ soif dans l'église, cap descend drapeau diable là, pour monter drapeau ciel là. Christ soif dans l'église, cap met diable dans le roi. Christ soif dans l'église, devant le démon, pas qu'à camper. Christ soif dans l'église, quand elle pue les pieds, elle vient pas qu'à mettre les pieds là. Christ soif dans l'église, cap fait une grandeur sous la terre. Parce que c'est à travers l'église là qu'il y a une pouvoir, mon Dieu. C'est à travers l'église là qu'il y a une puissance, mon Dieu. Christ soit pour me représenter dans l'école là. Christ soit pour me représenter dans la famille. Christ soit pour me représenter dans la rue. Christ soit pour me représenter partout côté passé. Christ soit pour me faire un vrai ambassadeur pour lui. Christ soif pour me son vrai représentant pour lui. Christ soif pour me faire manifester gloire sur cette terre. C'est ça le soif. Le soif pour me suspendre vivre dans le péché. C'est ça le soif. Autant de fois, je vais me changer de fusil d'épaule. Christ a continué à dire le soif. Maintenant, qui positionne à soi face avec soif Jésus-Christ? Jeune fille, Jésus-Christ soif. Jeune garçon, Jésus-Christ soif. Dame mariée, Jésus-Christ soif. Monsieur, Jésus-Christ soif. C'est où qu'on est à soi qui positionne à prendre pour satisfaire soif lui? Mais là, continuez à dire ça. Malgré le film là, c'est vrai, ou à chanter, c'est vrai, mais il soif toujours. Ou à danser, c'est vrai, mais il soif encore. Parce que senti, si adoration a offri là, il n'y a pas arrivé devant toi ni. Il soif encore. Il veut plus de où? Il veut plus encore dans mes mains. Il veut plus, soif plus consécration dans mes mains. Le soif plus sainteté dans mes. Jésus-Christ soif. Et moi, à ce moment-là, j'ai une position que je dois prendre face avec soif Jésus. Ou même, j'ai une position que je dois prendre face avec soif Jésus. Soif qui est soif, la fin avec, ça c'est vous-même. Mais pas fait cœur du face avec soif. Li. Si on s'en vient là, quand on dit soif, on va balter de l'eau.
Si le soif yon ti jus, ou a acheter jus à Bali. Même si ou pas de jus à la, ou a fait le Bali comme, ou a fon Jean parce que le soif. Bon, mais Jésus qui a dit non le soif, oui, l'église là. Mais Jésus a dit le soif, oui. Mais l'abdou le soif, ou pas senti dans le cœur l'abdou le soif? Ou pas senti l'abdou le soif? Qui s'en voulait faire? Qui s'en voulait faire pour soif ça? Ou pas juste garder le comme ça? M'baronne qui position voulait prendre face avec soif Jésus-Christ. Mais pas oublier à soi. Les dîmes, les soif. Les ou les soif. Par contre, depuis combien de temps l'a dit les soif? Par contre, combien de temps de vous sentir l'a dit le soif? Par contre, combien de temps et vous faites que Dieu vous faites un coup pas attendre? Mais assurez encore, l'a continué de le soif. Et dégagez-vous pour prendre position nécessaire pour répondre à cette soif de Jésus. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu.